Bon, donc du coup, là, vous avez les boîtes aux lettres. Merci. Là, c'est pour les poubelles. Ok. Vous êtes dans un immeuble 7 étoiles. 7 étoiles. Oui. Mais il n'y a pas d'ascenseur? Non, c'est au deuxième étage. Allez. Ok. Donne-moi un instant, je vais juste brancher mon téléphone. Comme vous pouvez le constater, alors, ça respecte les normes. D'accord. Qu'est-ce qu'il peut bien faire à l'heure là? Il est où pour ne pas décrocher mes appels? Donc du coup, ça respecte les normes. Ouais, le nombre de... C'est ça, 1, 2, 3, c'est pas fini. Alors, lorsque vous fermez, tu peux voir comme ça, il est en train de prendre la feuille, il a un débouqué hier. Ok, ouais, ça bloque, on voit en bas et puis ça bloque ici. D'accord. Donc là, c'est. C'est l'entrée. D'accord. C'est important de vous laisser en prison. D'accord. Par ici. Alors. Il ne prend pas, lui. Il ne prend pas. C'est la douche, hein? Ici, c'est la douche. C'est la douche. Ok. Donc là, vous avez la douche. Le lavabo, les toilettes. 40. Il m'a mis sur le pendant. Hé, hey, je voulais le foyer. Oh. Je voulais le foyer. Voilà ça ici. Bon, vous voyez les effets de... Bon, là, vous avez des rangements. D'accord. Et voilà, quoi. Il m'a encore trompé. Tu manques. Il te manque comment? Tu manques. Oh. J'appelle depuis, il ne prend pas. Là, il m'a mis sur messagerie. Il me trompe encore, Gabriel. Ouais. Attends. Tu l'appelles, il ne prend pas. Il ne prend pas mes appels. Il y a les trucs de l'ancienne locataire, un four. Franchement, ça reste. D'accord. Ça, c'est les effets de... Vous voyez, elle est en plein déménagement, donc oui. Elle est déjà en train de ranger ses choses. Mouille dans la maison, il est en train d'avoir le goût là-bas. Donc en gros, en fait, ici, c'est le séjour, c'est ça. C'est ça, exactement. Je n'en peux plus. Ne fais pas aller me suicider. Non, vous avez un séjour sur une cuisine ouverte. D'accord. Et bah, ça, c'est des meubles qu'on va mettre, un meuble qu'on va mettre à l'entrée. Attendez, donnez-moi un instant. Allô? Oui. Tu as bien joui? J'espère que c'était bon, hein, Jojo. Non, c'est pas ça. Parce que c'était pas bon. Et puis tu me fais pleurer comme ça, tu auras ma mort sur ta conscience. Donc du coup, j'espère que vous êtes satisfait. Tu as fait ça avec une fille de la rue et t'appelles monsieur. C'est pas ça, c'est pas ce que tu penses. Ah! Hé. Jojo, pense-toi, c'est mieux que tu m'aimes, Marseille. Il peut pas m'humilier. Il est